Regardez-moi ça, incroyable. Salut mec. Incroyable. Je parais tout petit à côté de vous les gars. Magnifique, regardez-moi ça. Tu t'es régalé? J'en ai pris soin, j'ai bien saigné. On repose, il y a une voiture qui arrive en face. On fait prendre des risques à personne. À tout moment, elle se coupe et je vais devoir le pousser. Il essaye de prendre le moins de vent possible. Ça y est, je suis en réserve aussi. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Merci, merci. C'est pas mal aussi ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, regardez-moi le temps. Bon, c'est un petit peu nuageux, je vous l'accorde, mais les routes sont incroyables. On se retrouve donc dans le sud aujourd'hui, en compagnie du frérot Cubens. Regardez-moi ça, oh là là, ça a l'air tellement simple. J'adore. Pour une petite journée roulage, entre frérots, tranquillement. Oh là là, ce genre de route, c'est incroyable. Ça me fait tellement plaisir d'être ici de retour. Ça c'est super dangereux ça. Sac de ciment au milieu de la route dans un virage. Le salaud. Elle craque tellement la sienne au passage de rapport. Je vais taxer ta moto. Tout de suite. Après. Non, non, non. Non. Ça régale les gars, c'est route, c'est un délire, j'adore. Direction le Mont Ventoux qui se situe tout là-bas là. Je sais pas si vous allez voir le frérot juste ici, il va essayer le R1. Ce genre de route, le soleil, le ciel bleu, incroyable, j'adore. Oh, bien mec. Toi aussi, ouah. Oh, t'en as un énorme comme ça. Du coup là dans le village on roule tranquille. En plus il y a plein de cyclistes partout, il fait beau, il y a beaucoup de monde sur la route, donc faut faire d'autant plus attention. Là on va s'arrêter juste un petit peu plus loin, en dehors du village, pour qu'on échange les deux R1, les deux moto. Bonjour, contrôle de la beauté de la moto. Incroyable. Regardez la plus belle R1 de France. Je m'assois tellement trop, je le pense bien. Elle n'est pas derrière, elle est là. Ouais c'est ça ouais. Fais attention hein. Quoi? Ça marche fort, c'est pas... C'est pas... Ah, c'est pas un R1M ou... Fais attention. Oh, il va l'assassiner. Il va l'assassiner. Ah là là. Elle craque, hein. Et du coup, moi, je vais être là avec son petit R1M de chez Audemars, avec les entrées d'aération pour les Brembo, full carbone de devant jusqu'à l'arrière, flèche roue, le capot de selle, tout en carbone. Incroyable. Allez, c'est parti. La différence de l'une à l'autre, c'est un truc de fou. Elle se comporte pas du tout comme la mienne. Je m'arrête pour vous montrer la bête. Regardez-moi ça. Incroyable. Elle est magnifique. R1M. Il manque vraiment les ailerons de chaque côté qui assurent la mienne. Vraiment, je trouve que ça manque. Mais en tout cas, sinon, elle est incroyable. Oh là 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 là. Magnifique. Allez, c'est parti, les gars. Regardez le panneau à droite, col du Mont Ventoux ouvert. Même le freinage Brembo, on le sent vraiment. Le cycliste, comme d'habitude, on double doucement en prenant nos distances. Allez, c'est parti, petit col du Mont Ventoux. Les retours, vous entendez? Salut les gars. Oh, le nombre de motards qu'il y a, c'est affolant. Il a une reprogrammation sur mesure sur cet R1. Et franchement, regardez, dès que hop, je mets rien qu'une petite impulsion sur la poignée de gaz, et elle part directement, c'est incroyable, vraiment. Elle est d'une fluidité en plus, magnifique. Les raccords en goudron en bas là, ça me fait toujours peur ça. Surtout en plein soleil, ça a tendance à se modeler un peu. Attention là. La réactivité à la poignée, c'est fou. Franchement, ça saute aux yeux. Hein. En plus d'être une M, regardez. Sans forcer, vraiment. Petit turbo S,
juste devant. Par contre, niveau retour d'échappement, les flammes comme ça, les crépitements, comme elle a une carto sur mesure, elle en a beaucoup moins que la mienne. Oh, une Porsche à l'ancienne là, 911S. Oh, petit R8 avec l'aileron, incroyable. Magnifique. Qu'est-ce que ça chante, le bruit du crossplane dans les montagnes, c'est magnifique. Un vrai MotoGP, vraiment. Et il met le clignotant. Merci mec. Merci. Le bus à l'ancienne là, américain. Par contre, on voit rien du tout, hein. Niveau visibilité, là c'est bon. Putain, incroyable. Oh là là là. Elle est vraiment fluide, hein, à la poignée de gaz. C'est un régal. Franchement, les pneus, ils collent au sol. Salut mec. Ah, il faut, hein. Salut. On vient d'échanger les motos là. Petit plaisir, petit kiff de ce temps-là. C'est la femme de qui la meilleure alors? Ouais, ils sont fumantes les deux quand même. Ah, les deux, elles pètent sa mère. Ouais, les deux sont sympas. Improbable de vous voir ici. Ah, bah là, vraiment, le hasard. Viens au milieu. C'est incroyable de vous voir. Vas-y, vas-y. Par contre, putain, je parais tout petit à côté de vous, les gars. Merci beaucoup. Ah, merci à vous, les gars. On se voit en haut. Tiens. Même ici, au Mont Ventoux, on croise des frérots. On commence à monter, on sent la fraîcheur arriver là, le vent qui se lève. Un petit terrain juste devant. Regardez-moi ça, jusqu'en haut. C'est incroyable, on a l'impression de monter sur la lune. Magnifique. C'est parti, let's go. Il y a un tournage en direct là. Rolling shot en vélo. C'est peut-être une pub, je sais pas. L'ambiance est toujours particulière ici, avec ces grandes montagnes toutes blanches. Regardez, magnifique, j'adore. Allez, on va se concentrer un petit peu. Attention. Oh là là, dès que tu ouvres un petit peu plus sur la poignée de gaz, elle part direct. On commence à être dans les nuages là, incroyable. Salut les gars. La température, comment... Oh, il y a de la neige carrément. Oh, il fait 25 degrés, 30 degrés en bas. Et là, il y a de la neige. Les frérots, nous y sommes. Avec tous les motards à chaque fois. Par contre, je sais pas ce qu'il y a là, devant. Il y a des bouchons. Ah là 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 là. Magnifique, regardez-moi ça. Juste les paysages. Par contre, il y a du vent. Oh là là. Avec les deux frérots derrière qui nous ont suivis. Le frérot devant. Ouais. Il y a des cyclistes, faut faire attention. Ça va, tu t'es régalé? J'en ai pris soin. Je l'ai bien saigné. Enfin, quel plaisir de t'avoir dans le sud, moi, MT. Hein. Ça me fait plaisir. En plus, regarde-moi ça, juste. Oh, nous, on est venu de tout là. Rien que ça. Ah, de ouf. Quoi, t'as la température, là? Il fait 6 degrés. Putain, la vache. Ah, nous, on n'a rien, nous, sur le R1. Tout en haut, du Mont Ventoux. Par contre, le vent qu'il y a, il fait super froid. Il fait 6 degrés. Il y a encore de la neige, tout ça. Il y a des motards partout. Là, je vous fais des petites vidéos pour Instagram, comme d'habitude. Au plaisir. À la prochaine, rentrez bien. Bah ouais, vous aussi, hein. Faites attention. Au plaisir, à la prochaine, hein. Les Grenoblois. En voyage, en road trip, magnifique. Ciao. Allez hop, c'est reparti. Par contre, j'ai les mains gelées. Oh là là, je sais pas si vous entendez à la caméra, mais il y a du vent de fou. En tout cas, c'est magnifique, hein. Regardez à perte de vue les paysages. Le frérot Coco juste devant avec sa Triumph qui nous a rejoint tout à l'heure. On faisait une petite pause, il s'est arrêté, on a discuté. Du coup, il est parti en balade avec nous. Tu vas? Bon Coco, au plaisir, à la prochaine peut-être. Moi ça va être compliqué, ouais. Là on redescend tranquillement du Mont Ventoux. C'est bon? Quel plaisir, tout le monde en terrasse, il fait beau, il fait bon. Il pleut là-bas, non? Ah ouais, on va se prendre une flotte là. Regardez là, tout au-dessus de nous, c'est noir. Allez, allez, arrache. Mais là, le frérot, il nous emmène dans l'orage même, hein. Bon, du coup, là, ça va être mission dépannage de R1M. Regardez, elle est en train de couper. Il a passé la réserve plus tout à l'heure. Elle a coupé toute seule. Donc là, il va partir. Il va faire ce qu'il peut en kilomètres avant de tomber en panne sèche. Et après, bah, du coup, ça va. Ça va le pousser jusqu'à la station, quoi. Le problème étant que la prochaine station est super loin. Donc je sais pas comment cette histoire va se terminer. Là, il y a personne devant, personne derrière, personne sur les côtés. On peut se permettre un petit plaisir. Incroyable. Wouhouhou ! On repose. Il y a une voiture qui arrive en face.
fait prendre des risques à personne. On a réussi à éviter la pluie, quoique il y a encore un gros nuage là-bas. Ah, ça lui fait un gros saut, hein. Ah oui. Ah oui, carrément. Oh là là. Oh, ouais, il a du sang. À tout moment, elle se coupe et je vais devoir le pousser pendant je sais pas combien de kilomètres. Parce qu'en fait, on était là à faire des vidéos, des réels pour Instagram. Il est vite arrivé à la réserve, on a continué. La moto a coupé une fois et je sais pas combien de temps ça va durer, quoi. Il essaye de prendre le moins de vent possible. On se croirait sur piste à 300 alors qu'on est à 90. Bon, y a personne derrière. Putain, il va plus vite que moi. Ah non. Ah, je le rattrape. Ah. Voilà. Voilà. Quand ça résonne comme ça. Je connais pas les routes. Bon, je vais l'attendre. Au cas où qu'il soit tombé en panne, ça serait dommage. Ah, ça y est. Ça y est, je suis en réserve aussi. Regardez. J'ai fait 500 mètres sur la réserve. Là, les gars, autant vous dire, regardez où on se situe, au plein milieu des montagnes. La prochaine station essence, je sais pas dans combien de kilomètres elle est. Oh, Alpine. Deuxième Alpine. Troisième Alpine. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé... Mais ça se trouve, le frérot, là, il est en galère. Elles sont les Alpines. Incroyable. Ah, elles sont là. Ah, ils avaient l'air de rouler un petit peu, hein. Ils sont avec les Takiwalkie et tout. C'est stylé, hein, comme ça en convoi. Bon bah je vais rouler avec eux, hein. On va le laisser là, le frérot. T'es à sec? Moi aussi. Et moi je suis en réserve. Je suis à 10 km sur la réserve. On va voir ce qu'on arrive à faire à deux. Ça s'annonce pas trop bien là, attention. Ouais, c'est bon, il m'a vu. Hop, on arrive en village. On retourne à 50. Merci. Bonne journée. Merci. Bon les gars, je vais vous laisser. Bonne balade. À la prochaine, au plaisir. Soyez prudents, hein, sur la route. Vas-y, ciao. Merci. Les gens, ils sont choqués, je vous jure. Ça va et toi? Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. C'est pas mal aussi ça. C'est pas mal aussi ça. Bonne journée. Ciao. Il a kiffé. Quand tu baisses la tête, tu regardes le GPS, tu vois toutes ces courbes devant toi, tu sais que tu vas te régaler. Oh là là. Salut mec. Par contre les gars, c'est éprouvant, hein. Oh là là. Le cou, le dos, les poignets. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. J'espère en tout cas que vous, derrière votre écran, vous ressentez un petit peu ce plaisir de rouler dans ce genre de courbe, de route. Moi, j'ai vraiment pas l'habitude, hein, par chez moi, les gars. Mais je prends un plaisir fou. Des fois, je parle pas, je suis concentré et je kiffe, tout simplement. Bon, les frérots, vous l'aurez compris, on se retrouve sur la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao.